Re-coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la suite de la vidéo de cet après-midi. On continue mon coloriage, je vais vous montrer. Hop. De toute façon, j'ai pas avancé, rien du tout, hein. J'ai juste choisi mes deux bleus. J'ai fait tout plein de tests pour trouver mes deux bleus. Donc j'ai fait un test sur des feuilles imprimantes et sur les feuilles cartonnées. C'est des feuilles à dessin spéciales à dessin cartonné. Bah c'est différent. Les couleurs, elles ressortent différemment et tout. Donc, je préfère tester sur les feuilles à imprimante. C'est ce qui se rapproche le plus des feuilles-là, même si elles sont épaisses. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Moi, ça va. J'ai vu tout à l'heure, on m'a envoyé un lien, enfin, un message. Une de mes abonnées, enfin une de mes meilleures amies. Apparemment, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, je ne sais pas. Il y a eu un souci avec le vaccin Moderna qui a été rappelé 1,6 million de doses au Japon car elle contenait des particules d'acier et de plastique tombées dans les tubes au cours de la production ou du transport. Selon l'enquête menée par Moderna, ces impuretés était sans conséquence sur la santé, mais le mal était fait. D'accord, on nous injecte des particules de plastique et tout, mais ça ne risque rien pour la santé. Bon, après, c'est peut-être vrai, hein. Alors, ça fait peur, enfin, c'est vachement rassurant, j'ai envie de dire, hein. Entre ça et j'ai vu aux informations que les sables du Sahara qu'on avait eus, il y avait des particules de radioactivité dedans. Donc c'est rassurant aussi, j'ai envie de dire, hein. En ce moment, les informations, c'est vachement rassurant en ce moment, je trouve quand même. Les informations nous donnent envie de nous donnent la joie, quoi. Alors j'ai une de mes vidéos là qui est en train de se mettre en ligne, celle que j'ai fait cet après-midi. Elle est en train de se mettre en ligne là. Donc vous aurez les deux à la suite. Enfin, à la suite, le temps que je tourne celle-là et que je la télécharge et que je la mette en ligne, hein, vous aurez déjà l'autre qui sera en ligne, je pense, hein. Alors, ne pas se tromper, hein, quand on fait une couleur, si là on met du clair, là on met du foncé, là forcément on mettra du clair. Que les clairs et les foncés soient pas en face de l'autre, vous voyez? Un clair, un foncé, un clair, un foncé, un clair, un foncé. Il n'y a que dans ce sens-là. Ah, bah dans le sens-là, lui, ça fait pareil en fait. Ça tombe pile poil. Bah, c'est logique. Ah non. Un clair. Ah si, parce que celui-ci, je crois, il sera un peu plus foncé. Alors, vous avez bien mangé? Moi, ça va, j'ai à peu près bien mangé. Ben, je me suis sentie pas bien après la vidéo de tout à l'heure. J'ai fait un malaise. Après, je suis épileptique, donc ça m'en a déclenché tout à l'heure. Je sais pas si c'est le fait de colorier ou si ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Enfin, un petit moment, ça faisait 2, 3 jours que je n'en avais pas fait. En ce moment, mes crises d'épilepsie me reprennent. Et je pense que c'est la fatigue parce que je fais énormément d'insomnie ces temps-ci. Dû au Covid et dû à mes calculs aux reins qui me font souffrir. Donc je dors très mal et je pense que c'est ça, c'est la fatigue. Et comme je ne veux pas prendre le traitement pour les crises d'épilepsie, ben voilà. Normalement, je dois avoir un traitement, mais je ne veux pas le prendre parce que. Il y a beaucoup d'effets secondaires et étant plus jeune, j'avais pris et ça me rendait malade. Donc j'ai dit que je n'en voulais plus. À part si mes crises sont vraiment trop récurrentes et que j'en ai vraiment trop souvent, là oui, j'aurais pas le choix, mais pour le moment, c'est gérable. Alors attendez, je décale mon livre. Hop! Eh ben, il est beau ce petit bleu-là, finalement. Alors, je ne sais pas encore si le fond, je le fais en noir,
Si je fais le fond noir ou pas, je sais pas encore, j'arrive pas à me décider. Mais je pense que je le ferai en noir. Bah, de toute façon, je vois pas en quelle autre couleur je peux le faire puisque toutes les couleurs principales, on va dire, elles vont être utilisées. Donc, je sais pas encore. Je pense que je vais le faire en noir ou le laisser en blanc, tout simplement. De toute façon, ça sera ou en noir ou en blanc. Il y a un truc qui me raccroche sur le papier. Là. Oh, je peux pas mettre l'autre. Ah oui, avec tout ce qu'on entend là, ce qu'on voit aux infos en ce moment. Ça donne même plus envie de regarder les informations, c'est un truc de ouf. Là, il parlait des trucs pour le RSA qu'il faudra travailler, je sais plus combien d'heures par semaine pour toucher, continuer à toucher le RSA. Pour les retraites à 65 ans, je crois, ou un truc dans le genre, j'ai vu, enfin j'ai entendu vite fait, mais j'ai même pas vraiment écouté là, les infos. C'est notre cher et tendre président qui dit des choses et qui promet des choses qui s'y repasse, qui ne va pas tenir. Après, il y en a, il aime, il y en a, il aime pas. Hein. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Hein. Alors, hop. Et mince, j'ai oublié de faire le vert et le rouge là. Bonsoir, je vais le faire juste après. Faut juste pas que j'oublie. Alors celui-là, c'est le temps. Ah bah si, c'est bon. Foncé, clair. Donc en le faisant au hasard, je suis bien tombée. Il est beau aussi ce bleu-là. Les feutres que j'utilise, c'est les feutres Twin Marker de chez Action, ceux-là, là, les noirs. Et les autres, c'est des marqueurs, marqueurs, hein, de chez Nose. Alors Nose, c'est pas un magasin, hein, enfin, c'est un magasin, si, c'est un magasin. Mais c'est un magasin où c'est tous des articles de grande surface, enfin de grands magasins ou de n'importe où, qui rachètent et qui revendent pas cher. C'est des lots qui rachètent des choses comme ça. Donc les feutres là, de base, je ne sais pas d'où ils viennent, de quel magasin ou de quel site ou je ne sais pas. Parce que j'arrive pas à les trouver ces feutres que j'ai achetés, enfin c'est mon chéri qui me les a achetés à Noz. J'arrive pas à les trouver sur Internet. Parce que si j'arrive à les trouver, j'aimerais bien savoir combien ils coûtent pour en reprendre des lots parce que bah, ils sont top et voir s'il y avait des autres collections ou des autres teintes. Si au cas où quelqu'un d'entre vous arrive à les trouver sur Internet, n'hésitez pas à m'envoyer le lien en MP ou le lien tout court. Par contre, il y a l'intonation, enfin la différence de couleur, elle n'est pas flag-flag là. Hein. Cela, on voit bien le très clair, très foncé, très foncé, très clair, très foncé. Mais là, du coup, on ne voit pas trop, trop le foncé et le clair. On voit quand même, hein, mais bah, sur la caméra, on a l'impression qu'on ne voit pas. Mais à l'œil nu, on voit quand même. Mais c'est. Les couleurs se rapprochent un peu trop, je trouve. Et pourtant, sur papier, ça donnait pas pareil. Bon, c'est pas grave, au pire, je vais essayer de repasser une troisième couche sur le foncé. Essayer de le foncer un peu plus. J'ai attrapé un bouton sous la langue, mais au fond de la gorge. Enfin, au fond, au fond. Pas comment vous dire, c'est sous la langue mais au fond de la langue, enfin au fond de la bouche, dans limite dans la gorge. Et il me gêne, c'est un truc de ouf. C'est comme si j'avais un truc coincé sous la langue
mais au fond et que j'arrive pas à enlever. Mais c'est un genre de bouton. Il me fait pas mal, mais il me gêne, quoi. J'ai des trucs étranges, moi. Hein. J'adore colorier avec ces feutres, c'est un truc de fou. Oula, j'ai failli me tromper. Là, je pense que pour le contour, c'est pareil. Je vais faire un trait noir pour bien l'arrêter, pour que quand je vais faire l'intérieur en noir, si je le fais en noir, que ça ressorte bien. Oh, c'était lequel bleu que j'avais utilisé? Zut, 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 zut. Ah, celui-là. On va essayer de repasser une couche. Merde, je sais plus c'est lequel. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Vous voyez, il est vraiment, ils sont vraiment top ces feutres. Ouais, en fait, ça change pas énorme. À voir là au séchage ce que ça donne. On voit un peu plus la différence quand même, hein. J'ai des amis, dis donc. Voilà. On voit un peu mieux la différence. Là, en ayant foncé un petit peu, on voit un peu mieux la différence. On va faire l'intérieur. On va faire rouge et vert. Enfin, on va déjà faire l'intérieur des fleurs. Là, alors, on avait dit quelle couleur là? Des rouges. Deux rouges différents. Et là, on va dire des marrons différents. Et là-bas, alors là, pour les deux là et celui-là, je ne sais pas encore. Et je trouve que ça fait super beau. J'aurais fait que les deux les couleurs là, ça aurait fait peut-être limite de trop. Enfin, on se serait lassé, pas lassé, mais ça aurait fait limite de trop. Alors. Attendez, je mets en pause. Désolée. Mon chéri avait besoin de moi. Allez, on continue. On fait l'intérieur en jaune et en orange. Comme on a fait pour les autres, puisque ça, de toute façon, on ne change pas de couleur l'intérieur. Parce que s'il faut que je trouve deux couleurs différentes pour l'intérieur, pour chaque fleur, j'ai pas fini. Vous voyez, ils font un peu transparent, enfin ils font étrange comme ça, mais au séchage, ils ressortent vachement bien. Enfin, vous voyez pas, non? Regardez la différence. Ceux qui ont séché et ceux que je suis en train de poser là. Alors, ça focus. Par
contre, le noir, l'impression noire, il déborde un peu sur mon jaune. Vous voyez de tout près les couleurs, comment elles sont super jolies. Ça fait beau. Et vous voyez, il n'y a pas de trace de feutre. J'espère que ma façon de filmer, elle est bien. N'hésitez pas à me dire hein, si la façon de filmer, elle est bien ou pas. Alors, j'ai mon chien dans 2 secondes. Il me réclame la porte pour rentrer. Il vient de vouloir sortir. Mais dans 2 secondes, il va vouloir re-rentrer. Là, il est en train de courir après les chats devant la porte de chambre. Vous allez l'entendre, il va gratter à la porte. On fait juste un petit point orange à l'intérieur. Vous avez entendu? Attendez, je vais laisser. Vous allez écouter. C'est ici que je suis dans la chambre. Normalement, il va regratter. Hein. Normalement, ou juste pour m'embêter, il va pas le refaire. Hein. Comme à chaque fois que je vous dis quelque chose ou que je veux vous montrer quelque chose. Ah oui, c'est des verres que je voulais faire. 2 sortes de verres. Alors, il va falloir que je trouve des verres qui sont différents à celui-là. Je trouve un vert très clair et un vert un peu plus foncé, mais un peu plus que celui-ci, quoi. Et derrière la porte, il me fait rigoler. Je vais lui ouvrir parce qu'il me fait de la peine là. Attendez 30 secondes. Que j'éteigne pas. Allez, mon chat. Dépêche-toi avant que chat. Vite! Avant que Chanel rentre. Hop! En fait, voilà pourquoi il grattait pas à la porte. Parce qu'il y avait Chanel, mon chat, qui était déjà assise. Enfin, une de mes chattes, qui était assise juste à côté. Et comme il veut pas qu'elle rentre dans la chambre, il a pas gratté pour pas que j'ouvre, pour pas qu'elle puisse rentrer. Il est pas là, mes petits. Hein. Tiens, tu fais coucou? Aïe, aïe. Ça veut dire tais-toi. Hein? Ça veut dire tais-toi et caresse-moi. Ouais, c'est vrai. Oui. Tu fais des câlins? Tu fais des câlins à maman? Et tu veux? Des câlins au tété, hein? Là, comme la table, elle est relevée, là, je me fais plus avoir. J'ai relevé la table pour être sûre qu'il ne m'embête plus à monter sur la table. Maman, elle fait du coloriage. Maman, elle fait du coloriage et du dessinage. Ouais, maman, elle fait du dessin. Ouais. Il s'en fout, mon coloriage. Il faut que je lui fasse des papouilles. Je suis pas du tout soumise à mes bêtes. Hein. Pas du tout. Allez. Hop, maman, elle va faire du dessin.
elle va recroiser les jambes. Hop. Voilà. Tu fais des bisous à maman. Attends, parce que maman, elle est coincée dans son peignoir. Hop. Voilà. Allez, non, elle est là, l'entrée. Si tu veux rentrer dedans, c'est là. Vas-y. Tu veux rester au-dessus ou dedans? Vas-y. Hop, maman elle t'aide. Hop. Voilà. Vas-y, fais coucouche. Ah, ce qu'il faut pas faire hein, quand on a des animaux. Alors, je vais faire cela. Je vais faire cela comme ça. Ils seront faits. C'est bon, il est couché entre mes jambes, sous mon petit plaid, à sa place. Alors mes travaux, je suis contente. Là, j'ai vu tout à l'heure, quand j'ai regardé par la fenêtre, tout à l'heure, ils ont rebouché la route. Enfin, ils ont rebouché le gros trou qu'ils avaient fait et tout. Ça veut dire qu'ils ont terminé. Ah, il était temps. Ça fait 3 jours là qu'ils font que ça. Et j'avais limite envie d'aller à l'hôtel, quoi, presque. Hein. C'est façon de dire hein, quand je dis ça, c'est pas vrai, hein, mais j'en pouvais plus. Entre les marteaux piqueurs, leurs grosses pelleteuses. Oh, le rouge là, il est trop beau ce rouge. C'est un twin marker du 11 Carmine. Je l'adore. J'aurais aimé l'utiliser pour. J'aurais aimé l'utiliser pour les fleurs là, mais j'ai peur. Ou alors il faut vraiment que ça tombe pas du tout à l'endroit où je mets mes couleurs là. Par exemple, le rouge. Ouais, mais que je mette un des deux côtés là, ça tombera quand même sur le rouge quoi. J'aurais aimé l'utiliser le rouge là parce qu'il est trop beau. Pas grave, je l'utiliserai pour un autre dessin au pire. Hein. Au pire, à la place du rouge là. Ah bah non, j'ai déjà fait le test. Putain mince. Alors voilà. Là, on a dit on va faire 2 rouges différents. Alors, je pense que vous voulez voir les tests quand je les fais de couleur. Hop. On va choisir 2 rouges. Alors les rouges, par contre. Ah bah tiens. Regardez. Là, un rouge. 11 et un rouge 11. Un de chez Action et l'autre de chez Nose. Et regardez, c'est pas les deux mêmes. Regardez. Nose. Action. Ah bah ils se ressemblent presque au final. Mais il y a quand même une toute petite différence. Ouais, si, il y a une différence de teinte. Peut-être pas énorme, mais on voit une petite différence. Et pourtant, c'est la même référence. Enfin, la même référence. C'est du 11-11. Mais il y a certains que j'ai vus en bleu. C'était du 76 ou je sais plus combien. Et chez Action, c'était pas du tout le même code couleur. Enfin, c'était pas la même couleur, quoi. Alors, je sais pas comment que ça marche. Je sais pas si c'est comme les DP, c'est la même DMC pour tous les feutres... à alcool ou pas. Ça par contre, regardez au séchage, on voit qu'il y a une différence. Peut-être pas grosse, mais il y a une différence. Donc je vais prendre le rouge là. Donc maintenant, il faut que je trouve un autre rouge. Et des rouges, il n'y en a pas énorme. Hein. Ça c'est orange. Là, des rouges. Dans la boîte là, vous voyez, des rouges, j'ai que celui-ci. On va voir dans la grosse boîte. Attendez, j'ai mon clavier.
On va voir dans la grosse boîte si j'ai des rouges. Ce qui pourrait aller. Alors, j'ai celui-là. Ça, c'est un rouge. Ah, je crois que c'est le rouge qui avait débordé. Bon, le rouge-là, il est trop proche des autres. Je crois que c'est mon fameux rouge qui avait débordé sur mon dessin que je devais faire. Oula, c'est tous des rouges foncés, ça. Ça, c'est pas, ça fait plus rose que rouge. Bon. Enfin, je regarde dans mes feutres action. Bon, à part le carmine, est-ce que j'ai des... Oula. Est-ce que j'ai des autres rouges? Sinon, je vais me retrouver dans le caca. Alors, en rouge. Ça, c'est du rouge. Ça, c'est orange. Eh ben, il n'y a que deux rouges. On a deux rouges. Oh là là, c'est tout effoncé. Je ne vais pas avoir de rouge très clair. Ah là là, mince. Comment que je vais faire? Mince. J'ai rangé mon rouge... mon petit rouge. Ah non, il est là que je suis con. Mon Dieu. Enfin, que je suis bête, pardon. Il n'y a pas du couleur qui pourrait se rapprocher du rouge. Ah là, par contre, c'est un dilemme. Je suis embêtée. Ça, c'est les bleus, les verts. Les marrons couleur chair un peu orange. À moins que ça. Ça, c'est quoi comme couleur? Ah, ça, ça fait orange. Hein. Ça, ça va pas, ça fait orange. Qu'est-ce que je fais? Se limite, ils iraient bien ensemble, le rouge et l'orange comme ça, mais j'ai peur que l'orange rappelle trop ce orange-là. Bon, écoutez, on va réfléchir pour les rouges. On va essayer de faire là-haut les verts. Alors maintenant, il va falloir que je trouve deux verts. Les verts. Alors, dans la grosse boîte, on a quoi en vert ? Celui-là. Un vert foncé. On a celui-là. Ça, c'est plus un vert kaki. Ouais, ça va pas aller avec le dessin. Enfin, ça va pas aller avec les tons. Celui-là encore, il pourrait passer. Ouais, celui-là, il est joli. Oula, non, ça c'est trop foncé. Beaucoup, beaucoup trop foncé.
quoi ça fait Voilà, ça focusait. Les verts. Alors, on a des verts ici. On a dit qu'on gardait celui-ci. Donc celui-ci pourrait aller. Ça c'est trop foncé. Ça ne va pas. Ça, je pense que ça va être trop foncé. Bon, les autres, je pense que les suivants, ils sont beaucoup trop foncés. Ouais, ça, là, ça va du foncé. J'aurais aimé un beau vert pistache. Un beau vert. Ah bah attendez, j'en ai deux ici, là. Ah voilà, le vert là. Ah mais oui. Ah non. Le vert là, que j'adore. Faire les deux là. Là, ça fait un peu trop. Non, on va prendre les deux verres là. Allez, c'est décidé. Alors, attendez, maintenant, il faut que je les re-range. Le verre là, il vient là. Oula. Et le gros. Voilà, on va y arriver. Et le verre, faudra pas que j'oublie les deux là à les remettre là-bas. Pour mon autre dessin. Je sais plus si j'avais mis les références ou pas. Allez, on attaque. Comme ça, il est différent à celui-là. Ça rappelle pas trop celui-là. J'espère qu'au séchage, ça va pas trop le... Sinon on fera une troisième couche, c'est pas grave. Mais on voit quand même la différence. S'en mêler, hein. Faut pas, faut bien regarder l'image. Passer une troisième couche limite. Je sais pas quoi comme couleur que je vais mettre encore. Quoi comme couleur? Je parle bien la France, moi, hein. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre pour les prochaines fleurs, là. Il faut que j'en trouve pour une couleur. Enfin, deux couleurs pour là. Deux couleurs pour là. Deux couleurs pour là. Et deux couleurs pour là. Encore, là, je peux faire deux beiges différents. Je vais faire de toute façon deux beiges différents.
deux couleurs chair différentes, peut-être. Essayez de trouver des couleurs chair différentes. Et puis, je sais pas encore. J'aurais aimé deux rouges quand même, mais il n'y a pas de rouge. Ils se ressemblent trop, les rouges. Ouais, déjà deux beiges. Les gris, après, il n'y a pas trop de gris différents. Hein. Oh mince, ma caméra, elle est plus à... Pardon. Voilà, si je vous fais... même plus regarder mon dessin. Mince. Ah merde! Là, je vais descendre le livre. C'est bien les passes à dessin et les tables à dessin comme ça, parce que déjà je l'ai monté. Et en plus de ça, la pince à dessin, elle est bien pratique pour tenir le livre. L'autre verre, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est top, c'est qu'il est vraiment vert, vert très clair. Mais du coup, ça rappelle celui-là comme vert. Putain, mince. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas, j'ai pas d'autres verts. Hein. Enfin, les verts, les autres verts sont beaucoup trop foncés et ça irait pas avec les couleurs claires qui sont là. Ça ferait beaucoup trop foncé et ça ferait pas joli, quoi. Ça va, pour l'instant, je suis contente, j'arrivais à marier des belles couleurs. J'arrivais à trouver des bonnes couleurs qui y allaient. Je suis assez fière de moi. Ça serait con qu'à la fin, là, je me trompe dans une couleur ou que je me trompe dans une pétale ou un truc comme ça. Je serais dégoûtée. Et ça, ça m'est déjà arrivé sur un coloriage où j'ai trop bien colorié tout le dessin et à la fin, j'ai fait une erreur. Où j'avais fait une erreur et bah, du coup, ça a niqué tout le dessin. Et j'étais deg, et quand c'est comme ça, bah j'arrête. J'arrête ou je fais du gribouillage comme ça, et je suis allée. C'est pour ça que je fais bien attention de bien... de pas rater, de faire... C'est pour ça que des fois que je parle pas, c'est pour me concentrer, parce que quand je parle, je me concentre moins. Et après, bah je fais des bêtises. Et après, je dirais que c'est à cause de vous. Il faut bien qu'ils prennent. Je vais pas dire que c'est de ma faute. Hein. La fille qui assume pas, quoi. Qui accuse les autres pour pas s'accuser elle. On a été au Lidl hier. Ils ont ouvert un nouveau Lidl
en face de chez nous, enfin juste à côté de chez nous, à 5 minutes de chez nous. Déjà, tout était en promo, ils ont fait des promos monstres pour l'ouverture et tout. Enfin, franchement, ça valait le coup et tout. Et ça m'a fait bizarre de rentrer dans le magasin. Moi, j'avais mon masque, hein, parce qu'il est hors de question que j'enlève mon masque pour le moment, déjà, parce que bah, j'ai le Covid. Déjà, j'ai pas le droit d'aller dans les magasins de base. Enfin, on a le droit, mais à éviter. Personne avait le masque. C'est un truc de ouf. Bon, après, je sais qu'ils ont enlevé les masques, hein. Attention, je le sais très bien, hein. Mais personne n'avait de masque. Il y a en grande partie, il y avait beaucoup de personnes âgées bah, qui avaient gardé le masque parce que bah, les personnes âgées, je pense que. Viens, mon chat, elle est là à la sortie. Gizmo, bébé, c'est là la sortie. Voilà. Les personnes âgées, bah, ils ont peur hein, encore, hein. Ils gardent le masque et tout. Mais moi, je l'ai gardé aussi, même sans le Covid, même si j'avais pas le Covid, je le garderai quand même parce que ça me fait. Je sais, je suis sûre à 100% qu'on va se faire réavoir de toute façon. Là, la Chine, ils ont confiné la Chine. Vous pouvez être sûr que dans quelques mois ou après les présidentielles, hein, on va se faire reconfiner. Il y a une nouvelle vague qui arrive. On est en plein pic. Là, chez nous, on est en plein pic de Covid. Enfin, le Covid de variant, le sous-variant, là, le nouveau Covid, là. Et on est en pic et ils font quand même, ils ont enlevé quand même les masques, toutes les choses là. Après, à pas comprendre, hein, c'est pas grave. Mais vous pouvez être sûr que dans pas longtemps, ou cet été, ou dans pas longtemps, on va se faire reconfiner parce qu'il y aura de nouveau un pic. Ou sans doute pas, parce qu'à force, tout le monde l'aura attrapé, le Covid, et voilà, bon après on peut l'attraper plusieurs fois, la preuve moi, les sœurs de mon homme c'est pareil, ils l'ont attrapé deux fois en pas longtemps. C'est pas parce qu'on l'a attrapé une fois qu'on peut pas le rattraper. Hein. J'arrive même plus à voir de fixer, j'arrive même plus à voir si c'est colorié ou pas quoi. Je vous jure, j'ai les yeux. Je suis contente, l'hiver se marie bien aussi. Au séchage, on voit bien la différence des deux verres. Un peu dommage, c'est que le vert clair ressemble un peu à celui-ci, mais bon, on voit quand même la différence, hein, mais on voit bien trois verres différents, mais les teintes, elles se rapprochent quand même, elles sont assez rapprochées. Du rouge suède. J'étais en train de me dire, est-ce que je me suis trompée? Ça fait un peu trop vert à mon goût ici. Mais bon, maintenant que c'est fait, c'est fait. Je voulais mettre du vert, deux teintes de vert différentes. Mais c'est vrai que j'ai pensé plus. Oh là, j'ai failli me tromper. Putain, faut que je fasse attention. Oh! Ah non, c'est bon. J'ai eu un bug. Ça fait un peu trop vert là, mais bon. Je voulais absolument poser ce rouge, il est trop beau.
qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? On va repartir sur le bas, qu'on termine le bas. Attendez, hein, je vais replacer la caméra. Non, bah c'est bon. On va prendre des couleurs chères, enfin couleurs. Ouais, des couleurs chères. Là, on va faire des marrons, couleur chair, et après pour les deux là, on verra bien. En couleur chair, alors je voulais voir déjà ici. Là, on n'a rien qui ira. Plus dans celle-ci, ils sont où déjà les couleurs chair? Oups là, pardon. Si je vous mets des coups dans le micro, ah voilà. Comment ça là? Alors, ah, je suis en train de me battre. Ah non, là c'est du marron foncé. C'est pas celui-là, c'est celui d'à côté. Alors, on a celui-ci. Ah, bah celui-ci, c'est celui qui marchait pas. Je vais le laisser sorti. On a celui-ci. Oh, c'est des couleurs bien claires, hein. Je vais les faire dans l'or pour les retrouver. Non, là, ça tire plus vers le marron. Ben là aussi. Alors, c'est pas du tout les couleurs. Mince. C'est pas du tout les couleurs qui sont. Là, c'est une couleur qui a l'air claire. Et au final, ça fait du marron comme ça fait un genre de marron. Enfin, ce qu'il y a sur le capuchon correspond pas vraiment à la couleur, quoi. Je vais encore galérer à trouver deux couleurs qui se marient, c'est ça? Dans mes couleurs. Là, ce qu'on pourrait avoir qui ressemblerait du comme ça, en bas là-bas, c'est quoi? Du comme ça c'est du blanc, du jaune, jaune. Ça, c'est du orange. Celui-là, il est pas trop mal. Les deux là iraient bien ensemble. Oh, puis oh, les bouchons. Là, le feutre là, je sais pas s'il tiendra jusqu'à la fin. Ça fait rose. Celui-ci, j'aime bien. Qu'on pourrait mettre avec celui-ci ou celui-ci. Je pense qu'on va mettre les deux là. Allez, c'est parti. Veut
ressortir, mon chien. Puis dans 2 minutes, il va vouloir re-rentrer. Je lui ouvre la porte. Allez, sors. Pour re-rentrer dans 10 minutes. Hein. Allez. Elle est belle cette couleur, j'aime bien. Je suis en laiture, hein. Oui. Oh, attendez, je vais en mettre. Je verrai si je le fonce un peu après ou pas, si je le laisse clair comme ça, selon quand je vais poser la deuxième teinte. Du coup, les marrons différents, je les ferai du côté là-bas, parce que ici, ça va peut-être trop rapprocher, ça n'ira pas. Je pense que le fond, je le laisserai en blanc. J'ai peur de mettre en noir et de regretter après. Enfin, qu'en noir, ça fasse pas ressortir pareil. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si le fond, je le laisse en blanc ou si je le mets en noir. Mais je pense que le laisser en blanc. Ça m'embête parce que j'ai dépassé 2-3 fois du truc. Puis voilà, je suis en train de parler, je dépasse encore, quoi. J'ai Gizmo qui est en train de gueuler après la chienne parce qu'il veut que la chienne joue avec lui. Et je pense que la Staffy ne veut pas. Là, il est en train de l'engueuler pour jouer avec. C'est pas une princesse que avec moi. Hein. S'il veut jouer, il faut que la chienne joue. S'il veut pas jouer, bah il veut pas jouer. En fait, c'est quand monsieur a décidé. Même les chats, hein, quand il veut jouer avec les chats, que les chats veulent ou qu'ils veulent pas, ils ont pas le choix. Il faut qu'ils jouent. Sinon, il leur aboie à côté de les oreilles là, jusqu'à ce qu'ils jouent. Et comme il a le dessus sur la Staffy, la pauvre, elle subit et elle fait sans rien dire. Bon, c'est parce qu'on l'a élevée à pas être méchante non plus. Hein. Parce que si elle veut vraiment, hein, elle lui met un coup de croc, il n'y a plus de Gizmo. Hein. Gizmo, il sert de jouer. Hein. Voilà. Alors, je pense que je vais foncer un peu celui-ci. Je vais repasser une couche. Voilà. Que ça ressorte mieux. Je crois que le restant de la semaine, ça va être du colo. Je vais mettre mon planning en route et à partir de lundi, je ferai
par rapport à mon planning. Je vais préparer le planning dans le week-end. De toute façon, samedi après-midi ou samedi soir, je fais un live de maison miniature sur le groupe de maison miniature. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne de maison miniature, il y a le descriptif dans mes vidéos de maison miniature. Les week-ends, je fais souvent des lives sur le groupe là. Oula! Encore un peu, j'allais faire une grosse erreur. Hein. Encore un peu, j'allais colorier au pinceau, quoi, carrément. Et comme je vous dis, arrivé à la fin, ça aurait été dommage. Ah, elles se marient super bien les couleurs, elles font bien. Limite courbaturé des doigts, là j'ai mal aux doigts à force d'ouvrir et de fermer les bouchons tellement ils sont durs. Alors moi c'est fermé, c'est sûr qu'on risque pas de perdre le bouchon hein, mais voilà le vert et le rouge. Trop contente, ça fait trop beau. Bon, c'est différent des coloriages de paysage ou de portrait, enfin de visage et trucs comme ça. Moi, tout ce qui est visage, portrait et tout, je sais pas faire. Je sais pas faire, à part les chibis, hein, c'est tout ce que je sais faire. Tout ce qui est paysage, j'ai jamais fait encore. Enfin si, j'en ai fait dans mes livres de coloriage, mais ça va être des, c'est pas vraiment des paysages quoi. Voilà, ce côté là c'est fini. Enfin il me reste encore les deux là, mais là je sais pas encore ce que je vais mettre comme couleur. Au dessus ici, je vais essayer de trouver deux marrons différents. Je vais essayer de trouver deux marrons différents. Attendez, je vous mets, hop, je suis contente, ça fait trop beau. Deux marrons différents, donc on va les chercher. Les marrons. Alors attendez, je vais déjà regarder au pire dans cela ce que j'ai comme marron. Ça c'est du marron. Ça c'est du kaki vers le dessous. Excusez-moi, hein, j'ai le bruit à chaque fois, je me prends le... Je sais pas trop, c'est du marron. C'est du marron, mais ça va être beaucoup, beaucoup trop foncé. Et je vais le sortir parce que des fois, hein, faut pas se fier. Ça, c'est quoi comme couleur? Non, du kaki. Je crois que ça, c'est du. Oula! Oh, ça, c'est trop foncé. C'est beaucoup trop foncé. Oula, ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Alors, on va voir dans les autres couleurs. Alors, attendez, j'ai reçu. Est-ce que c'est AliExpress? AliExpress, hein, il nous force à acheter. Hein. Comme ça va être mon anniversaire, en plus, il me propose plein de trucs. Hein. Ils veulent que je dépense hein, des sous. Hein. Alors, marron. Là, il n'y a pas de marron. Les marrons sont ici. Alors. Mais ça, ça va être trop foncé. Oui. Ça, c'est pareil, je pense. Maintenant, encore, je trouve deux marrons. Il y a celui-là qui pourrait peut-être aller, mais c'est pas sûr, parce qu'il est encore, je trouve, un peu foncé. Celui-là plus.
celui-là déjà, je pense. Oula, mais c'est plus du marron ça. Et là, on repart dans les verts. Regardez celui-là. Peut-être les deux là. Attendez. À voir dans les gros ce que j'ai en marron. Oula, mais là, ça va être. Ça va être du marron sec là. Ah oui, c'est du marron très foncé. Non, c'est trop, beaucoup trop foncé. C'est beaucoup trop foncé. Bah, c'est les deux seuls marrons qui pourraient aller. Qui pourrait aller. Allez, bah on va tenter. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est les deux seuls qui correspondraient le plus. Oh, j'espère que ça va pas me faire rater mon dessin. Allez, bon, allez. Hein. Il faut bien se lancer. Hein. Je ne vais pas mettre plusieurs couches sur le marron là. Je verrai par rapport au fond. De toute façon, je suis obligée d'en mettre là parce que je viens de toucher. Okay. Vous me voyez là? Vous ne voyez pas trop en bas là. Attendez, je vais essayer. Juste que je fasse attention de pas me tromper, surtout ça a l'air d'aller. On va voir en posant l'autre marron. Allez, verdict. Ouais, ça va. Il faut mettre plusieurs couches, enfin trois couches. Voilà. Nickel.
Oh, je sais pas du tout quelle couleur je vais mettre. À moins que je trouve deux jaunes différents pour juste là. Et pour ceux d'en bas, je sais pas. Il me reste quoi en bas? Oui, c'est pareil, c'est les ongles. Deux jaunes différents ici, comme les jaunes, ils sont jaune et orange là-bas. Voilà. Bon, bah, les marrons, ça donne bien. Allez, le jaune au milieu. Mais c'est quand je fais le milieu là, les petits trucs là. J'ai l'impression que je vois, je louche, j'ai l'impression que je louche en fait, que je vois trouble ou je sais pas, que je louche. Je me suis pas trompée, non. Et le orange. Ça fait joli. Bon là c'est du vert, du rouge, un vert. Il faut que je trouve pour ici et ici. Voilà, on va faire le vert, le rouge là. Déjà parce que ça je sais déjà que c'est la couleur là. Hein. Vert et rouge. Et du coup, bah ici, je pense que je vais chercher deux jaunes différents. Et ici, il faut que ce soit des couleurs foncées. Je sais pas du tout, du tout. Avoir un bug arrivé à la fin, c'est quand même dommage, hein. C'est quand même un peu bête de sécher à la fin de son dessin. J'arrive à trouver toutes les couleurs pour le reste et là je vais pas trouver quoi. De jaune et de rouge. Je vais utiliser le rouge là. Le rouge là je le veux. Je veux le mettre sur mon dessin. Mais alors quelle couleur je vais mettre avec? Oui, je le veux celui-là. Alors, avec quel autre rouge? Celui-là, ça donnait quoi déjà? Non, celui-là, il s'en rapproche trop. J'avais retrouvé celui-ci. Non, il tire plus vers le rose. Red, red, c'est quoi? Non, c'est violet. Non, pourquoi? Pourquoi? Red encore. Ah non, Vivi Red. J'aurais aimé à trouver un rouge. Je sais pas quel rouge, mais je veux. Je veux le mettre, mais je vais pas pouvoir le mettre. C'est pas possible. J'ai le rouge là, mais le rouge là c'est celui qui avait fui et j'ai du rouge là, mais c'est vraiment des rouges foncés, on verra même pas la différence quoi.
Ça, c'est quoi comme couleur? Ah non, ça va pas. Puis remettre un orange, il est beaucoup trop près. Non, ça va pas. Pff, je pourrais pas l'utiliser, mon rouge. Non, j'ai dit tellement triste. Bon, là je vais mettre deux jaunes. Alors là, on a deux jaunes différents. Qu'est-ce que ça donne? On va déjà mettre les jaunes, hein. Alors, on a le jaune là. Et le jaune là. Ouh, c'est pas un jaune ça. Peut-être celui-là. En jaune, j'ai quoi dans la petite boîte? En jaune, en jaune, en jaune. Même pas vraiment jaune. Ah mais non, c'est... Ouais, encore peut-être celui-là. Qu'est-ce que j'ai en jaune dans celui-là? Dans ceux de Action. Ça, c'est orange. En jaune, jaune, jaune. Yellow, ça, c'est jaune. Ça, c'est jaune. Ça. Je sais pas si c'est du jaune ou pas. Voilà, ça se voit même pas presque. Donc on va rester, tant pis, sur ces deux-là. Hein. Ouais, on va rester sur ces deux-là. Hein. Écoutez, on n'a pas le choix. Enfin, si, on a le choix, mais... Mais voilà. Allez. Toujours pas quelle couleur je vais mettre en bas. Hein. Je me bats avec mes couleurs là. Truc de fou. Oh là là, ça se ressemble trop. Je vais attendre au séchage. Au pire, remettre une couche parce qu'on voit pas trop.
Il y en aura du jaune. Hein. Ça va, on voit quand même la différence. Ça fait un peu jaune fluo. Enfin, vous voyez peut-être pas la différence avec la lumière. Mais il y a une différence. Hein. Elle n'est pas énorme, mais il y a une différence. Alors, en bas. Je veux du rouge. Qu'est-ce que je peux mettre? Oui, je le veux, ce rouge. Avec quoi je peux le marier? Les deux-là, ils s'en rapprochent trop. Ça, c'est quoi déjà comme couleur? Chaque fois je me trompe, hein. Non, ça c'est du violet. Parce que je trouve que ça manque de rouge. Mais on n'a pas grand choix de rouge. On n'a pas grand choix de rouge, quoi. Le 14 là tout seul, c'est quoi? C'est du rouge ou du orange, ça? Bon, bah écoutez, au pire, hein, je vais mettre ça. Hein. Ça m'embête de... limite de mettre par dépit. Non, allez, hop, c'est décidé. On ne va pas rester trois plombes sur la même couleur. On va faire les deux là. Je veux mon rouge. Il est trop beau, ce rouge. J'adore, le rouge là, il est trop beau. Là, je vais m'apercevoir qu'il y a un petit bout de vert. Et voilà. Ah, oh, c'est lequel jaune? C'est lequel jaune que je mets au centre?
l'orange. Et voilà, le dessin est terminé. Alors attendez, juste je range mes couleurs. Les bleus et tout ça, ils sont là-bas. Jaune, le vert. Et mais en prenant la photo de la boîte devant, si ça se trouve, Google, avec la Google photo, là, les recherches Google, ça se trouve, ils me retrouveraient peut-être. Hein. Voilà. Eh bien, je suis contente. Regardez. Il est terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je le trouve trop beau. Hop. Alors, je ne sais pas si je le laisse comme ça ou sur un fond noir. Mais je pense que le mieux, c'est de le laisser en blanc. Ça fera beaucoup plus joli. Bah du coup, je l'ai commencé aujourd'hui et je l'ai fini aujourd'hui. Ah, je l'ai commencé aujourd'hui ou hier? Alors, attendez, parce que je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Photo. Mars 17. Alors, hier, j'ai fait les deux... pour me repérer en fait, 17 mars. Ah bah oui, bah c'est tout aujourd'hui en fait. Donc je l'ai commencé aujourd'hui et je l'ai terminé aujourd'hui. Donc je mets... Je termine, il est où? On m'a volé mon crétermine. Alors que je suis bête, il est juste à côté de moi. Ah bah non, c'est même pas mon crétermine. Ah mince, mon crayon de papier, il est où? Je vois plus rien ou... Recherche de mon crétermine. Mais je l'avais tout à l'heure. Ah là là, il est là. Alors, un petit C pour commencer le 17-03 et un F le 17-03. Commencer et fini. Donc le même jour. Donc voilà, le prochain coloriage que l'on fera ensemble, oh j'ai mal au ventre, ouh, ça va être, celui-ci, non j'ai pas envie, ça va être ou celui-ci, mais je pense pas, j'ai pas envie de le faire maintenant. Pas si je le ferai en vidéo d'ailleurs. Il y a celui-là que j'aimerais bien faire aussi, mais pareil, il faut que je trouve des couleurs qui vont ensemble. Voilà, le prochain, normalement, ça sera celui-ci. Que l'on fera ensemble.
À moins que j'en trouve un autre d'ici à ce que j'en fasse un. Il y a celui-là que j'ai hâte de faire aussi, mais pareil, je ne sais pas encore quelle couleur je vais mettre. Parce que c'est des formes, faut vraiment trouver des bonnes couleurs qui vont. Cela, c'est les ronds comme ça, là, ok. Mais alors, ici, par exemple, c'est un qui va comme ça. Ils sont bizarres, les formes. Il faut que je regarde pour celui-ci, comment que je peux le faire. Je sais pas encore, il y en a tellement que j'aimerais bien faire. Bon, après, il y en a dans d'autres livres de coloriage aussi. Il y a celui-ci aussi, mais il faut que je cherche les couleurs, que je trouve les bonnes couleurs. Donc voilà, celui-ci aussi. Pareil, celui-ci, je vais le faire comme celui-ci. Un dégradé de couleurs, je pense. C'est même sûr. Alors, je ne sais pas dans quel sens je vais faire. Je sais pas encore, mais je pense que ça sera un dégradé de couleurs. Bon, ben, il y avait celui-là, mais celui-là, je peux même plus le faire. Je suis trop deg, il aurait fait trop beau en plus celui-ci. Et celui à tout à la fin. Et je vais déjà feuilleter mes autres livres de coloriage et voir pour en choisir un autre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Je vais préparer un autre coloriage à faire ou je ferai celui que je vous ai montré ou je vais en chercher un autre à faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, c'est gratuit. Un petit commentaire pour ceux qui veulent commenter, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo coloriage. Je vous souhaite une bonne nuit parce que là, il est 23h40. 23h40? Il est 23h40 et il est l'heure que j'aille me coucher. Déjà, l'heure d'aller faire mes chiens. Et après d'aller me coucher, du coup, j'ai perdu mon chien. Ah, il est au salon, c'est vrai. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain!